Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 de mes musiques préférées d'Undertale. Donc, c'est parti! Donc, numéro 5, le thème de Papyrus. Dans cette chanson, on sent de la sympathie et que c'est squelettique, vu que Papyrus, il est un squelette, logique. Et qui est le frère de Sans. Et on sent aussi de la sympathie, comme j'ai dit, parce qu'au fur et à mesure que l'aventure continue, et bien Papyrus, il va commencer à nous apprécier en tant qu'ami. Parce que lui, il veut devenir le chef de la garde royale, mais pour cela, il aura besoin de nous tuer, nous, les humains. Parce que le roi, il a besoin de 7 âmes humaines pour pouvoir détruire la barrière que les humains ont créée il y a des siècles. Et pour venger aussi son fils, qui est décédé malheureusement par les humains. Donc, numéro 4, le thème d'Undyne. Donc, Undyne est l'une des gardes royales d'Asgard, du roi Asgard, pardon, j'ai oublié le nom tantôt, bref. Elle veut l'aider à nous tuer, nous, l'humain, comme je l'ai dit, parce que le roi a besoin de cette arme et tout ça, tout le tralala. Et donc, dans sa musique, on sent qu'il y a déterminé à nous fracasser le crâne quand on la bat. C'est comme. C'est vraiment, mais vraiment épique comme combat. Donc, on passe au numéro suivant. Numéro 3. Le thème d'Asgore. Donc, Asgore est le roi de l'Underground, le roi des monstres. Et que quand on le combat dans la route meurtre, moi j'appelle ça la route normale, mais je pense. Mais les gens l'appellent la route meurtre. Eh bien, on sent dans cette musique que c'est la fin du jeu. Et bien sûr, à la fin, vous avez deux choix. Soit vous le tuez et vous envolez pour l'instant de vos jours. Soit vous affrontez le monstre de vos cauchemars. Et il est vraiment dur. Donc je vous conseille de faire la première solution. Voilà, donc on passe maintenant au numéro suivant. Numéro 2. Le thème de Métatone. Forme IX, hein, parce que monsieur ou madame a trois formes. Il a sa forme normale, que j'appelle la forme show télévisée. La forme IX, parce que c'est la forme star, comme je dis. Et la forme Néo, qui prend l'apparence uniquement dans la route pacifiste. Il prend sa forme IX, et bien, que la musique se joue, on sent qu'il est prêt à nous dévoiler son talent pour la danse. On sent que Métatone est vraiment fait pour et c'est conçu pour ça. Ouais. Très très bonne musique et très très bon combat, même s'il est très très dur. Et bien évidemment, la première place est attribuée à Megalovania, ou le thème de Sans, le boss le plus dur du jeu. C'est le plus dur, mon dieu. Bon. Parce qu'on sent hack le jeu pour vous prendre par surprise. Bien sûr, dans la musique, ici, on sent qu'il y a de l'angoisse, comme genre, il est torturé par le fait que vous ayez tué son frère et ses amis. Donc, il vous fait payer pour ça. C'est pour ça qu'il termine la première place de mon top 5. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Que ce soit sur Twitter, Facebook, Skype, Instagram, plein de réseaux sociaux comme ça. C'était tout pour moi. C'était tout pour les collections. Ciao!